Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Rio, j'ai 53 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. Je vis actuellement à côté d'Aubenas, en Ardèche méridionale. J'ai débuté ma carrière professionnelle en 1983, après avoir obtenu mon bac G2, comptabilité gestion des organisations, et avoir effectué mon service national à Suresnes dans les transmissions. Je suis recruté en qualité de comptable par l'INIREP, institut d'éducation permanente rattaché à la Fédération nationale Léo Lagrange, mouvement d'éducation populaire. Je suis alors en charge de la comptabilité et de la gestion du personnel. En 1987, je suis une formation longue de cadre associatif de haut niveau à l'INSTEP Paris. Je suis nommé responsable financier à mon retour. L'Institut s'est développé grâce aux politiques publiques de l'emploi, de la formation professionnelle et dans le cadre de la décentralisation. Je suis promu responsable administratif et financier en 1992. L'Institut compte alors 9 établissements de formation, répartis sur 3 régions administratives, la région Centre et les 2 régions normandes. Il passe alors le cap des 50 équivalents temps plein et développe un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Je suis en charge de la gestion comptable, de la gestion financière, des ressources humaines et de l'informatique. En 1999, je suis nommé directeur administratif et financier avec le développement de l'établissement régional Léo Lagrange. La généralisation des marchés publics permet à l'établissement régional Léo Lagrange Centre Normandie de voir son activité se développer rapidement. Il obtient notamment un marché très important sur la ville de Tours. Tours, ville la plus importante de la région Centre. En effet, il s'agit d'une délégation de services publics concernant la gestion des activités périscolaires, des centres de loisirs sans hébergement et des centres sociaux de la ville. Plusieurs centaines de salariés sont recrutés. Je suis en charge de l'ingénierie financière des appels d'offres, du suivi des trésoriers et de la négociation des lignes de DAI, de la supervision des comptabilités et de la gestion des ressources humaines. Je suis les budgets, je justifie les financements auprès des prescripteurs. Dans les années 2000, l'unité économique et sociale avec l'établissement régional et la Fédération nationale Léo Lagrange nous mèneront à des consolidations nationales nécessaires et des négociations sociales très difficiles. L'Institut ne s'en relèvera pas. En 2006, je quitte Léo Lagrange et la région Centre pour m'installer en Ardèche méridionale.